Coming down, see the shadows of my love, where all the monsters came. Salut à tous, c'est Seven Sacapal et on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de Watch Dogs. Et à l'épisode suivant, précédent, on avait été en prison, on était allé en prison, et on a réussi à s'en sortir pour, c'était pour faire peur à un gars qui nous connaissait au stade, qui avait vu ce qu'on avait fait, etc. Du coup, on va démarrer tout de suite la prochaine mission qui s'appelle Tiens bon petit. Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'ai reçu un appel de Damien qui me disait qu'en gros il avait peut-être des infos pour savoir qui c'est qui avait tué le gars. Et donc on se retrouve juste après. Faut que je fasse ça vite. La faiblesse de Damien, c'est sa fierté. Je dois jouer là-dessus. Le convaincre de me dire ce qu'il sait et l'envoyer se faire foutre. Il est trop imprudent, trop dangereux. Retrouver Damien sur la place. Où est-ce que t'es? Je crois que la réponse va pas te plaire. Tu sais quoi? Laisse tomber. Quoi que tu saches, ça m'intéresse pas. Tu m'as jamais apporté. Ils arrivent en bateau. Merde. On n'a plus rien à se dire. C'est trop tard, Aiden. Je sais pas pourquoi. Tu devineras jamais où je suis. Ah non. Attends, je vais t'envoyer les images. Trouve une télé et jette un œil. C'est la maison de Nikki. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu devrais te dépêcher, mon garçon. Ta jolie petite sœur a besoin de toi. Damien! Ok. Bon, on va aller le niquer, alors. Damien, qu'est-ce que tu fous? Ouais, ça va, là, hein? Bouge ta race. Ah, non. Dégage. Allez, bouge! Il va y par là apparemment. J'espère que. Eh non, un peu. Il s'est foutu de moi. Ce fils de pute m'a manipulé. Qu'est-ce qu'il fout chez Nikki? Non, il peut pas leur faire de mal. S'il les touche, je le tue, il le sait. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de m'attirer là-bas. Il veut m'obliger à travailler avec lui. À retrouver les. Avant que tu finisses ta phrase, je vais juste mettre le GPS parce que je t'avoue que. Je suis un peu attaqué. Il peut crever. Faut que je me débarrasse de lui. Voilà. J'avoue que je croyais que c'était le frein à main, je voulais faire un truc de ouf. Mais... Allez, tenez bon, j'arrive. Six ans, quelle tragédie. Où est-ce qu'ils sont? Quel gâchis, tout ça c'est juste un gros gâchis. C'est... La vraie tragédie, c'est qu'un type comme toi soit entouré de tant de choses aussi fragiles. Ça te rend vulnérable. Ils sont où? Non, ça marche pas comme ça. Si j'étais toi, je répondrais. Oui. Nikki, où est-ce que t'es? Nikki! Réfléchis deux minutes. Si tu déconnes, elle crève. Écoute, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, voilà, on en est là. Si tu m'avais écouté, ça aurait pu se passer différemment. Dis-moi où ils sont. Où ils sont? Y'a que Nikki. Et le gamin... Je sais pas où il est.
Voilà ce qui va se passer. Ça va te mener à un disque dur. Je t'ai dit qu'il y avait un autre hacker. Grâce à ça, tu pourras dénicher son ordi. Trouve-le. Et tu sauras qui a mis un contrat sur nous. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? C'est fini, les interrogatoires. Je veux ce disque dur, c'est tout ce que t'as à savoir. C'est le prix à payer pour Nikki. Arrête de réfléchir tout le temps, Aiden. Et tiens-moi informé. En échange, tu pourras parler à ta petite sœur. S'étonnant de nous, quoi. Tu sais que ça va mal se finir pour toi. Peut-être, mais joue pas au con avec moi. J'en ai rien à foutre de tuer cette fille. Allez, à bientôt, mon copain. Où est Jackson? Damien ne l'a pas trouvé. J'espère qu'il a sa tablette. Là, il est dans le métro. Oh merde, quelqu'un est après lui. Okay. Damien ne doit pas capturer Jackson. Je dois le protéger. On va prendre la moto. Je peux y arriver. Je sauve Jackson et après... Oh bordel. Il tient Nikki. Je vais pas arriver à temps. Il faut que je pirate le train. Jackson pourra alors s'éloigner de ces types. Ça doit aller par là. Allez, rattrapez-moi. Quelle cible ? Tac, sur fait. Putain de caisse de merde ! Roulez-lui dessus ! Et merde ! Pas maintenant, allez, tas de ferraille ! Oh, pourquoi je suis allé dans la canalisation? Canalisation! Difficile à dire quand même. Voilà, j'ai gagné du temps. Je peux aller à la station suivante. Tiens bon, Jackson. Le métro se barre, merde! On va le choper à la prochaine station! Go, go! Oh! Tout le soutien disponible. Rentre-lui dedans, vite!
Merci. Allez, on lui rentre dedans. Encore deux. Une. Putain de bagnole. Et la dernière. Continue les recherches. Oh ouais. Je dois pas être loin, chercher. J'avais su, je les aurais semés. Chios. Je crois bien qu'on perd notre temps. C'est par là que je peux repasser. Là-bas, il y a peut-être un tunnel. Allez, tu passes au-dessus. Non ! Allez. Montez à bord du métro. Voilà. Jackson. Tout va bien maintenant. C'est fini. Écoute. C'est important. À la maison, est-ce que les messieurs ont dit quelque chose? Parle-moi, Jackson, s'il te plaît. D'accord. On va la trouver, ta maman. Allez. Docteur Mendez à l'appareil. Yolanda, bonjour. Ici Aiden Pierce, le frère de Nikki. Tout va bien. J'aimerais vous rencontrer en personne. Je suis dans le train avec Jackson. Très bien. Vous savez où Nikki le dépose d'habitude? Oui, je vous y retrouve. Il faut que tu sois courageux, d'accord? Les messieurs ont dit ça chez toi. C'est bien, Jackson. T'es un chef. Bonjour. Ça va, mon lapin? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Pierce? Où est Nikki? La semaine a été dure. Elle s'est enfin décidée à donner les affaires de Lena. Et je crois qu'elle est en train de faire ses adieux. Ça se passe mal? Plutôt, oui. Elle devrait m'appeler. Elle voulait justement que je vous appelle. On se demandait si vous pouviez garder Jackson quelques jours. On vous paiera, bien sûr. Oui, pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. C'est très gentil, merci. Nikki doit faire son deuil. C'est dur, je sais, mais c'est nécessaire. C'est pas facile, mais on va s'en sortir. Pas vrai ?
Allez, viens, mon grand. On va s'amuser un peu. Viens, on y va. À bientôt. Allez. Monte. Et là, paf, c'était une méchante et tout. Merci. Alors, on va diriger directement vers la prochaine mission. C'est pas ça que je vais faire, c'est pirater. Voilà. Comme ça, c'est pas grave, ça sera une vidéo un peu plus longue que les autres, mais on m'a dit que c'était pas vraiment un problème, au contraire, que c'était mieux de les faire plus longs. Donc ça dépendra en fait. Maintenant je vais plus faire les missions. Et quand je verrai que je m'en vais totalement à l'inverse de là où je dois aller. Et quand je verrai que je finis une mission et que je peux faire une bonne m'arrêter au lieu de m'arrêter en plein milieu du bal, ah bah je le ferai. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Comme ça, ça fait que les épisodes sont de longueur pas forcément identique. Donc ceux qui veulent que les épisodes soient plus longs, ils peuvent regarder plus longtemps. Ceux qui veulent pas, ils regardent pas plus longtemps. Et ça permet aussi comme ça de garder une continuité au niveau des épisodes qui voilà sera plus agréable je pense que de devoir couper un épisode en deux parties et couper en plein milieu comme j'ai fait deux fois jusqu'à présent. Direction. C'est un quartier difficile là où je vais. Mieux vaut être bien préparé. Acheter des éléments de fabrication. Donc c'est encore... Les autorités du centre correctionnel de Chicago ont renforcé leur protocole de sécurité après une récente évasion. D'après nos sources, il semblerait qu'un prisonnier ait réussi à franchir tous les contrôles de sécurité mis en place. Heureusement, la police de Chicago a appréhendé ce prisonnier quelques heures plus tard. John Smith, 34 ans, a été placé en détention provisoire. D'après son avocat, M. Smith serait victime d'une erreur sur la personne. Je me disais aussi. Donc voilà, on a tout acheté, donc je pense qu'on est pareil. Je ne sais pas si on aura donné autant, mais au moins on peut dire qu'on est pareil. Et on va diriger directement vers la prochaine mission qui se situe là-bas. Alors ce que je vais faire les amis, c'est qu'on se retrouve là-bas. Donc je vais faire une petite transition. A tout de suite. Faut d'abord que je pirate le centre de contrôle du district. Célèbre psychologue. Docteur, vous le savez, il existe un justicier dans notre ville. Vous pensez que c'est une bonne chose ? Ma foi, je ne dirais pas que c'est une bonne chose, mais les citoyens ont besoin d'être rassurés dans cette ville empreinte d'une violente histoire criminelle. Et vous pensez que cet homme les rassure ? Il ne fait que créer une illusion de sécurité. Les gens ne devraient pas le considérer comme un héros. Et son état mental ? Est-ce que c'est un fou ? Je n'aime pas le mot fou. Il a un but. Il s'agit de quelqu'un qui a perdu le contrôle ou qui pense l'avoir perdu, et dans son esprit, il se le réapproprie. C'est peut-être une victime lui-même, et tout cela est une sorte de défouloir. Il arrêtera quand il estimera avoir repris le contrôle. Il arrêtera. Juste comme ça. Oui, comme ça.
Et nous revoilà ici, les amis. Du coup, on va devoir pirater cet accès situé OS pour, à mon avis, pouvoir continuer l'émission. Voilà, donc je peux rien faire. Donc, on va y aller directement. Voilà, donc, je les avais déjà fait dans mon ancienne partie, mais c'est vrai que là, j'ai pas trop le temps de les faire. Mais bon, quand elles seront faites, elles ne seront plus à faire. Et du coup, voilà. On va s'occuper de ce qu'on va. Oh, est-ce qu'il y a un silencieux dessus? Ça m'étonnerait, ce serait trop beau. Il y a l'air d'avoir un paquet de monde. Il faut que je repère là où est la machine. Donc on est dans une station d'épuration, comme vous pouvez le voir. Il y a un ennemi en bas. Il y a un ennemi qui est vraiment autre chose à foutre. Hey les gars, vous savez ce que c'est un choufleur au milieu de l'océan? Un chou marin. Voilà, pour le délire. Et là, en bas, les steaks, littéralement. Donc c'est tout. On va... J'ose pas descendre, je vous l'avoue que... Si ça n'aurait pas de problème. Il faudrait que je trouve... une caméra justement. Et que je repère l'endroit où se situe la de panneau électronique, caméra ici, ça me prend un peu de hauteur la panneau de caméra. Ok, ça m'a tout l'air d'être ici. Alors lui, il peut faire quoi? Appeler des renforts. Accès à la salle de service. J'ai le code d'accès, donc maintenant je sais où se situe l'aile. Bon, la salle est juste au-dessus de moi, d'accord. Je ne sais plus comment je dois faire pour changer d'arme. Il ne fait pas des trucs comme ça, d'accord. Et merde. Hey, tu fais quoi là? Bon, mais je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. C'est quoi ce truc? Là y'a le sniper. Tac. Je vais quand même prendre ton sniper parce que je dois t'avouer que ça me plaît bien. Putain, je suis mort. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, comme on les a appelés, on va les contourner. Comme ils vont tous essayer d'arriver là où j'étais. On va avoir un champ pour... Dans mon viseur.
il me faut le code d'accès. Disparu, j'y crois pas. Cherchez-le. Y a rien ici. Je vais chercher ailleurs. Il n'y a pas par ici. Merci. Lui, il peut appeler les renforts. Non! J'ai la cible en visu. Putain, il va arriver à moi. Je vais le suivre. Il y a des renforts sur cette fréquence. Je m'en occupe. J'ai la cible en plein partout. Oui. Je suis mort, ça sert à rien de toute façon. Faut que je trouve l'endroit. Et le temps que je me barre, je vais me prendre une balle dans le cul. Il y a un véhicule qui est mis, ouais. Je vais aller tuer le feu. Voilà. Sérieux, les? Merde, on est touché. Voilà. Hop. J'allais pas rester 30 ans, essayer de faire un truc bien comme il faut. Je vous avoue que d'habitude je suis plus friand de pas faire trop de bruit et puis faire une infiltration comme il se doit, mais là j'ai pas envie de passer 3 heures sur une mission qui n'a vraiment pas besoin d'être fait en surveillance de Blue. Je vais tout prendre. Je ferai une mission
une vidéo à la fin pour montrer à peu près tout ce qu'on peut gagner dans le jeu, enfin, récolter dans le jeu. Voilà. Et on rallume les petites lumières. Et maintenant je vais devoir courir. Non. Ah. Comme je suis tout le monde apparemment. Maintenant je m'occupe de Racine. Voyons ce qu'il sait sur Nikki. Et voilà. Racine. Où est-ce que c'est? Voilà. Robert Racine. Donc, je suis vraiment désolé pour ceux qui aiment bien me voir faire de l'infiltration. Vraiment, j'avoue que sur ce coup-là, j'avais vraiment pas envie de faire 15 000 fois la mission. Enfin, c'est même pas une mission en plus à la base, c'est juste pour améliorer le. Pour pouvoir utiliser Profiler sur une autre région en fait. C'est un peu comme les points de synchronisation dans Assassin's Creed 5. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 12 qui donc va se goupiller par le meurtre de Yacine Racine ou autre chose, sa capture, je ne sais pas. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien. Bye. Es-tu au sujet des négociations de drame? Ravie de te voir moi aussi. Kill this cool body.